Une chose que je me suis rendu compte dans la vie, les mecs, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vivent mais qui sont morts. Et lorsqu'ils meurent, ils se réveillent. Mais c'est trop tard. Je me suis rendu compte de quoi les mecs, c'est que on a toujours un appel au fond de nous. Une chose qui nous appelle à accomplir une chose beaucoup plus grande que nous. Beaucoup plus grande que nos préoccupations du quotidien. Euh, payer le loyer, payer les factures, faire ci, faire ça. Et lorsque t'as trouvé cette chose-là qui est au fond de toi, qui réside au fond de toi, Possiblement au fond de ton cœur, possiblement au fond de ton esprit, au fond de ton cerveau, tout ce que tu veux, lorsque tu as trouvé cette chose-là, tu tiens de l'or entre les mains. Tu tiens une chose qui va te distinguer du lot et qui va faire en sorte que tu vas enfin devenir la personne que tu devais devenir. Personnellement, les mecs, je suis une personne qui, des fois, pense beaucoup. Tu vois, je, des fois, peut-être je suranalyse certaines choses. C'est lié à quoi les mecs c'est lorsque tu n'arrives pas à distinguer entre tes pensées et toi-même, lorsque tu te laisses emporter par le flot, par le courant de ces pensées-là, qui habituellement sont pleines de, pleines de, pleines de ce monde en fait. Il y a beaucoup de gens qui vivent, qui vivent, qui vivent que dans eux-mêmes, mais qui ne vivent pas dans ce monde-là. C'est-à-dire qu'ils sont influencés, ce monde-là, il a infusé des choses, des informations en eux, ils ont intériorisé ça, et à la fin, ils finissent triste, malheureux, plein d'anxiété, dans la solitude, qui est une chose qui est pas forcément mauvaise les mecs. Les gars, lorsque vous avez un problème dans la vie, prenez toujours du recul. Lorsque tu sais pas où c'est que tu vas, lorsque tu es dans une situation où c'est que tu es fatigué, que tu es déprimé, que tu pas vraiment à voir le chemin qui t'est tracé parce que la vie c'est comme un, la vie c'est comme un wagon, tu vois. Le destin c'est comme un peu les rails et lorsque tu es dans ce wagon là, si tu te laisses emporter, si tu te laisses si tu te laisses emporter par 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 le flot de ces idées, c'est comme le vent, tu vois. Le wagon il va dérailler. Je sais les mecs, tu vas me dire mais c'est, tu vois. Et ça c'est personnel, mec. Euh, tu vois, on est dans le pire pays du monde, etc. On est entouré de PNJ, on est entouré de gens qui sont négatifs, de gens qui ne veulent pas que tu réussisses. Fais abstraction de tout ça, gros. Prends toujours de la perspective. Il faut que tu que tu analyses les choses sous le prisme de l'intuition. Mais comment tu veux avoir de l'intuition lorsque t'es. Lorsque tu as raison, tu vois ce que je veux dire? Lorsque tu es complètement englué dans ce monde-là, que tu pas à distinguer entre qui es toi-même réellement au fond de toi. Parce que seul toi peut être la meilleure version de toi-même, la famille. Crois-moi, gros, Tu peux pas être la meilleure version d'une autre personne. Lorsque tu distingues entre ces pensées qui viennent, qui sont là, qui t'essayent te, qui de te faire douter. Et qui tu es réellement, tu vas trouver au fond de toi une lumière, gros. Tu vas trouver une énergie, tu vas trouver un second souffle. T'es possiblement dans des situations où c'est que tu es désespéré. Mais c'est comme lorsque tu fais un 100 mètres, gros. Ou un 200 mètres, ou un 400 mètres. Ou 400 mètres et tout ce que tu veux. Ces obstacles qui sont là, cette fatigue que tu sens lorsque tu cours, que t'es là, que t'as envie de, 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 de... Tu sens que tu vas abandonner, mais à la fin, tu sens au fond de toi, t'as un second souffle. Ce second souffle, tu, tu le trouveras lorsque tu lorsque tu prendras la vie à pleine dents beaucoup de gens meurent alors qu'ils sont vivants et beaucoup de gens veulent vivre lorsqu'ils sont sur le point de mourir les mecs on a tous un appel au fond de nous cet appel il vient d'où lorsque tu apprends aussi à t'aimer apprendre à s'aimer c'est pas à se regarder dans la glace dans, dans le miroir tous les jours les mecs et se dire ah je suis le meilleur je suis le plus beau c'est ça non, c'est lorsque t'apprends vraiment à apprendre qui tu es et que tu agis, que tu agis pour une chose que t'aimes. C'est, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est un cercle vicieux. Lorsque tu fais des choses qui te plaisent dans la vie, parce qu'habituellement, les plus grands des succès, les mecs, ils viennent quand? Ils viennent après tes plus gros échecs. Je répète encore une fois, les mecs, faites péter les rois. Esprit militaire, gros. Les plus, les, les, les plus grands. Des, des, des succès viennent après tes plus grands échecs, crois-moi, gros. Je suis passé d'échec en échec, échec après échec, jusqu'à la victoire, gros. Ne jamais abandonner. Ne jamais abandonner, frère. Fais une chose que t'aimes. L'action dissipe la peur. On a tous des peurs. Moi, personnellement, j'ai des phobies, gros. La vérité, gros. J'ai des phobies. Tu sais quoi, Mes deux phobies. Les serpents et le vertige. Jamais je ne je je vais pas être dans une optique où oh, je veux vaincre ces phobies-là. Je m'en éloigne, tu vois ce que je veux dire Parce que ce pas des choses qui me freinent dans ma vie de tous les jours. Mais ce qui te freine dans ta vie de tous les jours, c'est le manque d'action. Le manque d'action, pourquoi Par peur. L'action dissipe la peur, gros. Comprends une chose. Petit à petit... Pas après pas. Lorsque tu étais un bébé, est-ce qu'on t'a mis sur cette piste-là Est-ce qu'on t'a mis dans ce wagon-là qui va peut-être à 100 à l'heure, à 200 à l'heure Non. Petit à petit, au début, tu étais dans ton berceau, tu chies au froc et ensuite, petit à petit, tu as fait des pas. Ensuite, lorsque tu as grandi, tu as commencé à marcher. Ensuite, tu as commencé à courir. Ensuite, tu as commencé, à... on t'a mis sur le vélo avec les deux, euh, les deux trucs sur le côté, là, les deux trucs de sécurité, tu là et après, tu as pris ton envol. Si tu veux pas prendre ton envol maintenant vers cette destination, ton destin, gros. Tous les jours où c'est que tu te réveilles, la famille c'est une c'est une résurrection. C'est certes un jour qui arrivera, il y a aucun doute dessus, mais tous les jours vois, le, lorsque tu te lèves le matin, c'est une forme de résurrection. C'est ça qui va te permettre d'apprécier ta vie. Lorsque t'es dans un état de désappréciation de cette vie-là que t'acceptes pas, ou sinon à l'inverse t'es dans une dans une situation de fatalité. Personnellement j'ai été dans une situation de fatalité gros, mais j'ai toujours eu cet appel au fond de moi, je l'ai toujours écouté gros qui me disait tu peux y arriver, tu peux le faire, y a rien qui t'empêche de le faire. Si eux ils sont arrivés, moi je peux le faire. La confiance elle réside là les mecs. La confiance c'est pas se voir mieux que les autres, se voir beaucoup plus euh, beaucoup plus ambitieux, beaucoup plus beau, se regarder dans la glace. Non. Distingue tout le, ton toi profond de tes pensées qui viennent. Parce que ces pensées-là, elles sont parasitaires habituellement. Elles t'amènent dans une zone d'anxiété, dans une zone de dépression, dans une zone où c'est que tu veux pas être en mouvement. Le monde, les mecs, le, le monde, il est en mouvement. La seule chose qui ne change pas dans ce monde, <laughs> la seule chose qui ne changera jamais, c'est le changement. Il y aura toujours du changement, les mecs. Soyez toujours en mouvement avec ce monde-là. Comme lorsque t'es dans, dans, dans ce wagon vers avec, ce, avec ce, ce rail là qui t'amène vers quoi, qui doit t'amener normalement vers vers l'accomplissement de ton destin. Agis pour ton destin. L'action dissipe la peur. Je le répéterai encore une fois les mecs. Si, si tu ne prends pas de risques dans la vie, apprends à promouvoir ce que tu fais aussi. C'est pas c'est pas à rechercher de l'orgueil. C'est pas à se voir mieux que les autres. C'est pas à se sentir beaucoup plus important que les autres. Mais si tu parles pas de ce que tu fais, gros. À l'époque, gros. Regarde, je vais te dire un truc. Je travaillais en tant que commercial quand j'étais plus jeune. Hein. Et euh, on devait vendre un produit. Mais je manquais un minimum d'être direct, tu vois. Et d'autres personnes, elles ont scellé des deals. Et moi, j'étais là avec des regrets. Sois toujours ambitieux, gros. Lorsque le, les mecs, on dit souvent l'enfer est pavé de bonnes intentions. Tu vois Et Moi, je te dirais que le, 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 le malheur est pavé, est pavé de gens qui regrettent de ne pas avoir agi. Le, vraiment les mecs le malheur c'est c'est un pavé c'est un pavé de, de ce ressentiment de ce de, de ce sentiment d'avoir échoué la, les gars les plus grands la, la plus grande des réussites elle vient après les plus gros échecs apprends à te distinguer du lot apprends à ne pas être conformiste c'est lorsque t'entends cet appel là qui te dit qu'il faut que tu sois toi-même pourquoi vouloir ressembler aux autres rentrer dans la meute est-ce que un lion se, se soucie de l'opinion d'un mouton? Vois-toi comme un lion, gros. T'es un lion au enfin, fond de toi. C'est que t'as pas trouvé la personne que tu es réellement. Il faut que tu passes par cette période d'isolation où c'est que tu t'isoles des autres, que tu t'isoles de ces passions-là. Comme on te dit, crois, On te dit, gros, l'esprit, la matière, l'esprit contrôle la matière, l'esprit bat la matière. C'est ça qui te, c'est ça qui fait de toi un être humain. Qu'est-ce qui te distingue maintenant d'un animal On a tous deux yeux. On a, les animaux ils ont des yeux. On a tous, une, on a tous une, une baie, tout ce que tu veux. On a tous une, de la chair, du sang. Mais ce qui te distingue gros, cet esprit là qui est là, possiblement embrumé dans toutes ces pensées négatives, prendre la perspective du recul. Parce que si t'es là, le, le, le nez dans le guidon, dans ce wagon là, lorsqu'il y a un virage qu'il faut que tu freines, tu vas foncer droit vers un fossé. Prends toujours du recul. Ces pensées là qui t'harcèlent et que tu te dis, là, maintenant, gros, j'y suis passé, gros, a une période d'isolation, frère, la vérité, c'est ça qui m'a permis d'être beaucoup plus fort, de prendre conscience de qui je suis, de prendre conscience de mes faiblesses, de prendre, de prendre conscience de mes forces, et de toujours renforcer mes forces, de pas chercher à effacer mes faiblesses, elles seront là, gros, mais de renforcer mes forces, être dans un, dans un cheminement positif, la positivité, c'est ça qui va te permettre de réussir. Mais comment tu vas être positif lorsque t'acceptes pas cette isolation là, que t'acceptes pas des fois de rester seul, que t'acceptes que pas des fois de sentir cette amertume là de la de la, de la galère, de pardon, de pas manger à ta faim, de pas avoir un compte en banque qui te qui te qui te satisfait. C'est lorsque te, tu seras passé par ces moments là que tu apprécieras la réussite. Les, les, les mecs, j'ai connu beaucoup de gars qui étaient des fils à papa, qui étaient riches, qui avaient tout jamais, ils ont su faire des efforts dans leur vie. Ils étaient toujours là à attendre. Ouais, mais, euh... lorsqu'il leur arrive un problème dans la vie, quasiment presque, c'est comme s'ils si se mettaient en face de mur et ils attendaient que papa ou maman règle ce problème-là. Où c'est que tu vas aller, gros? Lorsque tu seras seul. Parce que tu nais seul et tu finis seul. Entends cet appel qui est au fond de toi, qui te dit de faire cette chose qui te plaît. J'en sais rien, ça peut être une passion du sport. Business. Écrire. N'importe quoi, gros. La chose qui t'anime. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi seul qui peut trouver ça, gros, au fond de toi. le mecs, je suis de l'opinion de vous dire que tous les êtres humains, ils ont un talent. On a tous un talent. L'essentiel, c'est de, de, le trouver. Mais lorsque les gens se confortent dans, se confortent dans ce, dans ce, dans cette bulle. Parce que dans le fond, chaque, chaque personne qui se conforte dans cette bulle-là, elle veut être comme dans le ventre de sa maman, ne pas sortir dans ce monde et avoir le moins de, le moins de souffrance possible. Tu vas souffrir, gros. C'est lorsque tu acceptes cette souffrance-là que tu deviens plus fort. Tu vois, c'est en prenant des coups dans la vie, s'en prenant des coups, que tu deviens plus fort. Entends cet appel qu'au fond de toi. Prends, prends cet espace, fais. On va te dire, comme ils disent tous dans ce New Age, là, qui sont là, à te dire, ouais, mais, fais de la méditation, oui, si, ça. Non. L'expérience est le meilleur des maîtres. L'expérience, elle vient, elle par rapport à quoi? Elle vient par rapport à l'action. Lorsque tu te mets dans des situations là, c'est là que tu sors. C'est là que tu sors de cette zone de confort. C'est là que le wagon, il s'arrête, gros, et c'est là que t'as un tremplin, parce que tu t'as suivi vraiment la route comme il fallait, et c'est lorsqu'il s'arrête à la gare, gros, que c'est là que t'as un tremplin. T'es en plein vers quoi? Vers ta réussite. Pensée noire. Pensée négative. Isolation. Dépression. Sentiment de ressentiment. Colère au fond de toi. Vois ces émotions-là. Ressens-les, gros. Tu pourras pas les vaincre. On est des êtres humains, frère. On n'est pas Terminator. T'es pas une intelligence artificielle. T'es pas un robot. Tu les as, ces émotions. Apprends à les ressentir. Combien de fois j'ai vu des injustices? Combien de fois j'ai peut-être... Ça m'arrivait de subir des injustices. Mais j'ai toujours été là à rester carré, à me dire que. Y a, après chaque nuit noire, là, après chaque nuit noire, il y a le jour qui arrive. Combien de jeunes on voit maintenant, les gars, qui gâchent leur vie simplement sur le coup d'une un, émotion. Et qui le regrettent toute leur vie. Comme toutes ces personnes-là qui n'ont pas entendu l'appel qui était au fond d'eux. Simplement pour se conforter dans cette zone-là de... dans le ventre de sa maman. Mais mec, soyez vivants. Ne soyez pas comme les gens qui ont oublié cet appel qui est au fond de eux. Et qui se sont oubliés eux-mêmes. Check équipe.